Vous regardez RTL. Quel pied de cheval peut atteindre 1,5 kg ? Une huître. Une huître, excellente réponse de Gérard Jugnot. 300 grammes en moyenne. Ça doit être 1,5 kg en tout. Ah, c'est un sandwich. Si je vous. Ah, sandwich aux huîtres, ça ne doit pas être très bon. Non, c'est un sandwich tout seul. On la coupe, on vend ça. Comment ça, on la coupe, monsieur Bénichou ? Tu ne peux pas la gommer. Qui est grande comme ça, et en coupe, on a des morceaux d'huîtres. Sinon, tu l'avales d'un coup, tu meurs. Et bien sûr. Si je vous parle des huîtres, c'est parce qu'il y a des voleurs d'huîtres. Ouais. Vous avez vu ça dans le Parisien ce matin. Ouais. C'est incroyable, les ostréiculteurs ont besoin de vigile et font appel à la gendarmerie. Il y a 20 tonnes d'huîtres qui ont été dérobées ces dernières semaines. Ils les volent et après, ils les vendent dans les rues et ils crient pour rappeler les gens. Ils font « Huîtrier !» Non. Excusez-moi. Ah, je vous avais prévenu, les jeux de mots allaient arriver. Dites donc, je me demande si le camion poubelle n'est pas parti trop tôt. La correction m'oblige à me retenir. Ah bah oui, parce mais que tu sais qu'il y a des taxis. Hein. Pourquoi prendre un mais taxi si, mais parce qu'il n'y en avait pas, là. Mais pourquoi prendre un camion poubelle pour un taxi? Bah c'est moins cher. Les vigiles, ils sont en plongeur sous-marin? Non, bah alors c'est ça le problème. Ouais. Les huîtres en pleine mer, parce que vous avez évidemment des ostréiculteurs qui ont des huîtres dans des parcs à huîtres, ouais. Mais aussi des huîtres en pleine mer qui sont évidemment beaucoup plus difficilement surveillable. Même pas du tout, elles sont en pleine mer. Et d'ailleurs, moi, je suis contre les parcs pour les huîtres. Ah oui, pourquoi? Mais qu'on les laisse libres. Oui, Brigitte. C'est pas Brigitte Bardot, c'est Alain Bollon qui pousse le cri. Alain Bollon. Et Annie Gilardot. Oh merde. Mais où il va chercher tout ça? T'imagines, il est en même temps animateur et il trouve des blagues. Vous m'épatez, chef. Oh, je vous en prie. Oh, mon petit Gérard. Oh, mon bon Gérard. Jamais plus je ne vous oublierai, mon bon Gérard. Bon, je vais dire Alain Bollon. Elle n'est pas neuve. Elle n'est pas neuve. Mais Annie Gilardot. Ah oui, celle-là. Mais ça a fait une chanson. Pardon? Ça a fait une chanson. Comment ça, une chanson? Alain Bollon. Ça aussi, ça. Non, j'avais prévenu. Alors, je peux plus quitter les huîtres, là. D'accord. Je demande c'est vous qui êtes rentré dedans. Oui, bah... Et n'empêche que c'est pas étonnant que ça soit en ce moment qu'ils en volent. Hein. Elle a raison, Valérie. Ça, c'est une belle réflexion. C'est pas étonnant que ce soit dans la mer. Hein. Il n'y a pas des voleurs de dinde? J'en rêve. Je suis lancée. Volez-moi. Bon, je peux poser ma question suivante. On les fourre avant. Hein. C'est bien pour ça. Oh là là. Oh le rire. Oh putain. Et Christina qui vient de comprendre. Ah, vous avez la dinde brésilienne au bout là-bas. Aïe, aïe, aïe. Avec les marrons encore. C'est parce qu'elle me trouve drôle, moi uniquement. Mais oui, je t'aime, chérie. Tu me fais rire au moins. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Jugnot? Je vous vois réclamer. Elle a oublié mon petit thé là-dedans. Ah, mais on t'a vachement oublié aujourd'hui. Bah oui, t'as vu, dès que je suis là, on t'oublie. Tu vas voir sur scène quand même. Ah, vous allez jouer ensemble, c'est vrai. Ah, ouais. Oh, je suis trop contente. Ah, oui, oui. Ah, ouais. Besoin d'aimer, l'envie d'aimer. Comment ça s'appelle? La raison d'aimer. C'est pas une brocque de notre texte, mais on est contents. Hein. Ça se joue quand? Bah, quand on sort notre texte. À partir du 18 janvier au Théâtre des Nouveautés. Ah, très bien, bah, on l'annonce, on ira, hein, Pierre, vous irez. Ah, bah oui, parce que moi je ne loupe pas une pièce de théâtre. Ça va être quelque chose de formidable. Après, j'en suis persuadé. Quand on met en scène. Je le souhaite, ça ne veut pas dire que ça marchera.